Dans l'épisode précédent, on a vu ce qu'il fallait comme qualité et comme matériel pour commencer à faire punchy-punchy avec son ordinateur. Aujourd'hui, on va vraiment y aller. Et non, ne regrette pas le pognon que tu as mis dans cette chaise et dans le matériel. Concentre-toi et donne-moi un poum. Oh, voilà un poum. Et maintenant, donne-moi un chi. Oh. Ah. Voilà un chi. Maintenant, ce poum, tu le mets là. Et ce chi, tu le mets là. Sous l'action légendaire du copier-coller, tu vas pouvoir créer une boucle que les anglophones appellent baco. Maintenant que tu as créé une baco, on peut passer à la mélodie que les anglophones appellent melody. Vous avez peut-être remarqué que souvent dans la musique électronique, c'est pas de la musique! Vire ton cul, t'es pas invité! Casse vraiment les couilles celui-là, hein. On en était où? Ah ouais, on disait qu'on allait faire la mélodie, et que souvent, dans la musique électronique, on a une mélodie qui se répète, parfois beaucoup, d'où certaines critiques. La musique électronique, c'est répétitif quand même, hein. Peu toujours pareil. Moi, j'aime bien quand ça change. Et bah, tant pis. Tant pis, c'est comme ça, ça fait partie de la... Enfin bref, on fait une mélodie. Maintenant, je peux imprimer cette mélodie. Cette mélodie, tu la mets là. On appuie sur play. Et voilà. Évidemment, on peut pas appeler ce magnifique morceau autrement que au clair de Punchy. Maintenant que tu connais les bases, je veux plus entendre d'excuses du genre « Ah, je sais pas faire, ah, c'est trop dur, personne m'a expliqué !» Alors tu bouffes ton cul et tu m'éblouis. Éblouis-moi. Hey,